Salut la Tunisie, j'espère que vous allez tous bien. Temps en compte à rebours, nombre de sauts, calories, nombre de sauts. Des objets un peu insolites, on est en plein jeu paralympique, la chaîne de l'accessibilité, des objets pour le sport, complètement accessibles aux personnes aveugles bien sûr, et ces objets sont entièrement vocalisés, tels que une corde à sauter. Vous avez brûlé une kilocalorie, temps en compte à rebours, nombre de sauts. Que vous pouvez entendre ici, on aura aussi de quoi se muscler les mains et les avant-bras. Avec cet appareil qui, lui aussi, vous avez tenu une force totale de 87 kg. Là aussi, un appareil complètement accessible, complètement vocalisé. Vous avez tenu une force totale de 87 kg. Vous avez sauté 28 fois. Aujourd'hui, on est en plein jeu paralympique et pourquoi pas parler d'appareils sportifs. C'est pas parce que tu es malvoyant, c'est pas parce que tu es non-voyant que tu n'as pas le droit, comme tout le monde, de faire du sport. Les Jeux Paralympiques, c'est à Tokyo. J'espère que vous les suivez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous suivez ces Jeux. Est-ce que vous pensez des résultats actuellement au niveau de la France? Des Paralympiques, il faut encourager nos équipes, aussi bien en situation de handicap ou pas. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter deux produits exceptionnels, dont un qui va arriver. Et dans quelques jours sortira donc la vidéo officielle de la toute nouvelle Watch 4 classique de chez Samsung. Une montre complètement accessible. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Ça se passe ici, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et surtout, n'hésitez pas donc de vous lâcher en barre des likes, ça se passe ici. Je vais donc vous montrer comment ces appareils fonctionnent. On est donc sur des appareils complètement accessibles. Corde à sauter, sur une corde à sauter. Corde à sauter, hé hé. Corde à sauter, hé hé. On est donc sur une corde à sauter. On est donc sur un appareil de musculation des avant-bras, des mains, des bras. En fait, avec cet appareil, vous allez pouvoir entièrement vous muscler les mains. Et en plus, vous allez savoir, grâce à ces appareils, vous avez tenu une force de 195,5 kg. Entièrement vocalisé. Avec cette corde à sauter, vous allez aussi savoir combien de fois vous avez réussi à sauter. Wouhou ! Chaud devant les amis. Alors surtout, n'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous montre comment ces appareils fonctionnent, comment on les met en marche, comment on les reset. C'est parti les amis, et comme on dit sur la chaîne Vision High Tech, malgré notre handicap, il faut toujours aller toujours plus haut, toujours plus high tech sur Vision High Tech. C'est parti les amis. Voilà les amis, je vais vous présenter donc les deux packages complets, le package de la corde à sauter vocale et le package de la poignée de force vocalisée elle aussi. Ce sont des nouveaux produits qui viennent tout juste de sortir et ces deux produits, vous allez pouvoir les trouver pour moins de 25 € chacun. C'est-à-dire que la corde, vous allez la trouver aux alentours des 22,90 € et la poignée de force aux alentours des 24 €. Alors, ces produits, pour qui, comment, pourquoi? Eh bien, écoutez, ces produits, ce sont des produits accessibles aux personnes aveugles, aux personnes malvoyantes, puisque sur ces deux produits, vous allez retrouver des petits écrans LCD, donc pour les personnes malvoyantes qui voient encore un peu. Cette corde à sauter va être utile, ou cette poignée de force, pour des corps de métier bien précis, par exemple, des kinés en situation de handicap visuel, qui feraient par exemple travailler leurs patients et auraient besoin de savoir ce que leurs patients ont fourni comme effort. Pour des petites filles ou des petits garçons qui ont envie de sauter à la corde, comme tous les autres petits garçons et petites filles, et avec cette corde à sauter, eh bien, ils sauront exactement ce qu'ils ont fait comme saut. En plus, avec ces produits comme la corde à sauter, vous allez avoir donc le nombre de tours que vous avez fait, combien de temps vous avez sauté, et en plus, le nombre de calories que vous avez perdu. C'est pas beau ça les gens? Ça, c'est vraiment ultra cool. Avec donc la poignée de force, elle aussi, vous allez donc pouvoir tout simplement avoir le nombre de pressions que vous avez mis dans la main, c'est-à-dire vous musclez la main
pour des kinés, par exemple, qui ont des patients avec une reprise de force au niveau des doigts et de la main, ça peut être utile, de l'avant-bras et du bras. Alors, dans le package, qu'est-ce qu'on retrouve? Ces deux produits fonctionnent avec deux piles triple A qui ne seront pas fournies dans le package. Donc, si vous faites l'acquisition de ces produits, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description, il faudra vous munir de deux piles triple A. Alors, dans le package de la corde à sauter, les amis, qu'est-ce qu'on retrouve? On va bien sûr, bien entendu, retrouver notre corde à sauter. Et vous allez donc avoir le cordon qui sera donc attaché à votre corde à sauter. Alors, ce cordon est le même cordon que l'on retrouve pour accrocher votre linge. C'est pratiquement un cordon à linge. Ça, c'est plutôt cool au niveau, en plus, de la résistance. Ensuite, on va retrouver les deux poignées de la corde à sauter, où on va d'ailleurs accrocher notre cordon, et sur l'une des poignées, on va retrouver en fait le petit cadran avec quatre boutons. En façade, on aura le bouton qui va permettre d'avoir le temps que l'on a sauté à la corde, donc temps en compte à rebours, le nombre de sauts et le nombre de calories qui ont été brûlées. Sur les côtés de cette corde à sauter, vous allez retrouver deux petits boutons de chaque côté pour remettre à zéro vos efforts et sur le côté pour entendre ce que vous avez fait comme saut. Écoutez. Vous avez brûlé 2 kcal. Alors, j'ai brûlé 2 kg de calories. Vous avez brûlé 2 kcal. Temps. Le temps. Vous avez sauté 0 minute. J'ai sauté donc 0 minute. Temps en compte à rebours. Temps en compte à rebours. Donc, je n'ai pas encore utilisé mon temps en compte à rebours. Nombre de sauts. Et le nombre de sauts. Vous avez sauté 67 fois. Et je peux savoir combien j'ai sauté deux fois. J'appuie sur le bouton longuement du haut. Ici, en appuyant sur le bouton du haut, je vais pouvoir donc ajouter mon poids. Mon poids est de 50 kg, c'est pas vrai. Et de là, il pourra voir combien j'utilise de calories lorsque je vais sauter. Alors, pour régler, lorsque vous avez fait un appui long sur le bouton du haut, pour régler votre poids, vous allez donc monter ou descendre sur le petit bouton qui se trouve sur le côté gauche de la poignée qui gère l'intégralité de la corde à sauter. Vous avez sauté 67 fois. Entrez votre poids. Entrez votre poids. Votre poids est de 61 kg. Une fois que vous avez terminé de rentrer votre poids, vous appuyez sur le bouton du haut. Vous avez sauté 67 fois. Et maintenant, vous pouvez commencer à sauter. Alors, justement, vous repérez cette poignée avec les boutons. Et en bas de cette poignée, vous avez un petit quart de cercle à faire. Et vous allez donc enlever. Et c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver pour mettre vos deux piles triple A. Tout simplement. Une fois tout ceci mis en place, vous n'avez plus qu'à fournir vos plus gros efforts, sauter à la corde, et c'est plutôt cool, c'est amusant, et c'est accessible, vocalisé, c'est vraiment ultra chouette. Je vous dis donc, tous les liens seront dans la description. Ce sont donc de tout nouveaux produits qui viennent d'entrer dans la gamme, et c'est vraiment ultra sympa de pouvoir avoir des produits de ce genre accessible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tels produits vocalisés. Avez-vous déjà pensé qu'une corde pouvait vous parler ou qu'une poignée de force était capable de vous dire combien de fois vous avez exercé, combien de force vous utilisez sur celle-ci? Voilà donc pour cette petite corde vocalisée. Passons tout de suite à la poignée de force. C'est parti. Alors voilà le package pour la poignée de force. On est sur un package classique, un package tiroir, vous n'avez qu'à pousser, vous ouvrez et vous arriverez tout de suite sur la poignée de force. Vous la sortez de la boîte et voilà le résultat que vous allez donc retrouver. Une poignée de force ultra sympathique, de couleur blanche et orange, vraiment sympa. Sur cette poignée de force, vous allez donc retrouver un petit écran LCD avec trois boutons. Un gros bouton qui va vous permettre de savoir en appuyant dessus. Mon meilleur record est de 23 kg en poussée sur cette poignée de force. Là,
je vais me dépasser, les gars. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Un truc de fou. Allez. Ah, votre meilleur record est de 31 kg. 31 kg au niveau du meilleur record. Donc, on va pouvoir éventuellement, ici, avoir ces deux boutons. Effacez votre force actuelle. Force totale. Effacez votre force actuelle. Donc, le bouton en haut à gauche va permettre d'effacer les derniers efforts que j'ai effectués sur la poignée. Sur le dessus, j'ai un petit bouton poussoir que je vais pouvoir donc régler si je veux entendre quand j'appuie dessus. 307 poids, 308 poids, 309 poids, 310 poids. Vous avez tenu une force totale de 3724,5 kg. Voilà, donc c'est un petit bouton poussoir qui va vous permettre d'avoir les résultats en temps réel. C'est vraiment ultra sympa, cette poignée de force. Est vraiment ultra accessible. Vraiment, je trouve ça génial d'avoir créé ces objets, ces outils de musculation pour les personnes en situation de handicap visuel. C'est vraiment ultra génial d'avoir des possibilités maintenant, des appareils comme ceci vocalisés. L'accessibilité au cœur de Vision High-Tech, et vous le savez, j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, à l'arrière, vous allez donc trouver le bouton pour resetter l'appareil si vous rencontrez un problème. Et pour mettre les piles, ça se trouve dans le manche. Tout en haut, vous avez donc une petite targette à lever. Vous levez cette targette et à cet endroit-là, vous allez devoir insérer deux piles triple A qui ne sont pas fournies non plus, exactement comme la corde à sauter. Alors, je trouve ça vraiment ultra chouette de pouvoir aujourd'hui avoir accès à des outils comme cela, vraiment vocalisés, accessibles pour tous, visuellement parlant, des outils parlants pour les personnes en situation de handicap. On a une osmose aujourd'hui qui se crée dans le monde de l'high-tech. Pour moins de 30 euros, vous trouvez vraiment des produits idéaux pour le sport, accessibles. Que demander de plus? C'est vraiment ultra sympa. Et pour ça, je vous demande de mettre votre plus beau like sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit. Il n'y a rien à payer. Vous vous abonnez pour continuer à encourager la première chaîne de YouTube parlant d'accessibilité. Vraiment, je compte sur vous. Abonnez-vous, c'est très important pour le suivi de la chaîne, pour le référencement de la chaîne. S'abonner sur Vision High-Tech, c'est montrer votre intérêt sur l'accessibilité. C'est gratuit, c'est pas cher et ça peut rapporter gros, les amis. Donc, voilà pour la présentation de ces produits. Vous aurez tout. Vous aurez donc tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits. J'ai d'ailleurs d'autres produits qui viennent d'arriver tout nouveau sous la pédale que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Et comme on dit sur Vision High-Tech, dépassons notre handicap, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus tech. A bientôt, portez-vous bien, bisous à tous, salut à tous.